Yo tout le monde, c'est Fintech, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de tous mettre mon code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite, ça me fait juste super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à des abonnés. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu likes cette vidéo. Et bien sûr, il va falloir mettre ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance, allez, bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde de CFintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un part vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Cela me fera vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui simplement vous montrer comment débloquer le tout nouveau pack de Benji Jiffy gratuitement. Alors si je les prononce mal, excusez-moi. Alors du coup, j'ai présenté cette vidéo avec le pack Lashman. Ne vous inquiétez pas, il fonctionne parfaitement avec le pack, le tout nouveau pack de Benji qui vient juste de sortir dans la boutique Fortnite. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, cela me fait vraiment super plaisir. C'était Fintech et je vous dis bonne vidéo. Pour retrouver sur le lobby de Fortnite Battle Royale, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la boutique d'objets. Vous attendez le petit chargement, il y a le pack Lanchen, il est vraiment super beau. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Il est vraiment super stylé, avec son accessoire de dos et son emote, le coup de poing POR, voilà, et sa outil de collecte, la trancheuse POR. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez du pack pour le prix de 2200 V-Bucks. Voilà, pour ma part, je trouve vraiment super stylé. Et comme d'habitude, je vous invite à rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite avant de commencer le glitch. Alors, simplement pour commencer, ce que vous allez faire, là, vous allez cliquer ici sur le pack. Là, vous allez faire obtenir l'ensemble maintenant. Vous allez cliquer ici sur le pack. Là, vous allez faire la case obtenir des V-Bucks. Vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Il y aura le moyen de paiement de votre plateforme. Ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de revenir au lobby. Une fois revenu au lobby, vous avez juste à retourner dans la boutique d'objets et de recliquer une fois sur le pack. Là, vous allez cliquer sur le skin, vous allez faire obtenir des V-Bucks. Ça va encore vous remettre dans la boutique de V-Bucks. Ce que vous allez faire après, vous allez partir dans vos paramètres. Là, vous allez partir dans quai d'opinion, vous allez vous mettre sur le nom, oui, et là vous allez appliquer. C'est vraiment super important. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner dans la boutique d'objets, de mettre la case soutenir un créateur et de faire la case accepter. Et après là, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste aller ici dans signalement et retour. Une fois dans signaler un bug, là vous allez faire la case signaler un bug, vous allez descendre tout en bas, boutique casier ou salon, vous allez cliquer dessus. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas, vous allez cliquer dessus, là vous allez faire le bouton continuer, vous allez accepter. Vous allez attendre envoi du signalement, c'est super important, là vous allez faire la case fermée. Là vous allez retourner ici et là vous allez juste à faire le mode choisir le mode de jeu. Normalement ça va faire la connexion pour les joueurs Switch. Ce que vous devez faire, vous devez juste quitter le jeu Fortnite et le relancer. Là vous avez juste à cliquer sur le mode sauver le monde. Vous allez attendre le chargement. Une fois le chargement terminé du mode sauver le monde, vous allez vous rendre dans la boutique. Là vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Vous allez attendre le moyen de paiement de votre plateforme. Là il vous reste juste à revenir. Ce qu'il vous reste à faire encore, c'est de faire rechoisir le mode de jeu, connexion. Vous allez cliquer sur le mode Battle Royale. Là, vous allez attendre le chargement. Là, vous restez juste à cliquer sur la boutique d'objets. Vous allez faire la case soutenir un créateur. Vous allez rentrer le code créateur FintechSBE. Là, vous allez cliquer sur le pack un Lashman. Là, vous allez faire obtenir des V-Bucks. Vous avez encore cliqué une fois sur 2800 V-Bucks, mais là vous avez rien à faire. Là vous allez juste faire la case retour. Là vous allez retourner au lobby. Là vous allez écrire ici débloque pack. Du coup, ouais, vous allez bien écrire ce mot là. Là vous allez faire la case envoyer. Vous devez être dans un canal pour envoyer ce message. Vous allez cliquer ici sur les trois petites barres. Et là il y aura tout simplement votre message qui va apparaître. Là vous avez juste à faire signalement retour. Vous allez faire signaler un bug, vous allez descendre tout en bas, objets cosmétiques. Ces objets cosmétiques dégradent les performances du jeu, vous allez cliquer ici dans boutique Asie.
vous avez un cœur descend tout en bas. Les prix des récompenses et incorrect là, les V-Box et les que j'ai acheté n'apparaissent pas. Là, vous allez faire le bouton continuer, accepter. Envoi du signalement. Vous allez faire le bouton fermer. Là, il vous reste juste à faire le bouton choisir le mode de jeu. Attendre la connexion. Et là, cliquer sur le mode Battle Royale, c'est super important. Connexion en cours. Et simplement, on vient d'avoir le tout nouveau pack Nashman gratuitement sur Fortnite Battle Royale en espérant vraiment que cette vidéo glitch vous aura plu. Voilà, du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu. C'était Fintex. Allez, ciao tout le monde.